Il est 18h17, un peu plus d'ailleurs, un peu plus de 18h17. Soyez les bienvenus en direct sur CNews Europe 1 pour Punchline été. Nous allons désormais aborder la question de la Porte de la Chapelle, puisqu'à Paris, les habitants de ce quartier craignent le retour des fumeurs de crack avec la fin des Jeux Olympiques. Certains d'entre eux ne cachent pas leur inquiétude pour les semaines à venir. Écoutez, c'est un reportage de Sacha Robin et Noémie Hardy, et je vous poserai ensuite la question de savoir est-ce que c'est la fin de la parenthèse enchantée du côté de la Porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle, redoutée par les riverains pour sa colline du crack, mais pendant les Jeux Olympiques, le quartier a connu une période presque irréelle. Avec l'aréna à proximité, la présence de touristes et forces de l'ordre était appréciée. C'était la sécurité énorme, je voyais des policiers portugais, italiens, même britanniques. Du coup, c'était vraiment ultra différent. Et encore maintenant, c'était assez spécial. Pour ce vendeur travaillant dans le quartier, cette parenthèse enchantée était plus qu'attendue. Ces JO-là, j'ai compris que l'État est capable, si l'État veut que les choses changent, ils sont capables, ils ont tous les moyens, ils ont des policiers compétents qui peuvent rendre la ville vraiment propre. Alors, après ces dernières semaines, le retour à la réalité inquiète. Avec la fin des JO, on a déjà vu certains craquettes qui étaient revenus. Mais dès qu'il n'y a pas la police, ils viennent et même nous, dans le magasin, ils nous fatiguent. Et parfois, c'est la bagarre. Moi, j'ai dû me bagarrer avec plusieurs gens ici parce qu'ils prennent des trucs, ils cassent ou bien ils viennent, ils tombent sur nos caissières. Ils les insultent directement à leur mère. Mais pourtant, s'il y a la police, ils n'osent même pas venir par là, en fait. Pour rappel, 5200 sans-abri ont été déplacés en amont des Jeux vers des centres d'accueil en région. Et on le voit, la situation Porte de la Chapelle à Paris, après la fin des Jeux Olympiques. Pour le moment, tout reste assez calme. Mais on a pu constater aussi l'inquiétude des habitants de ce quartier de Paris qui craignent de voir le retour des fumeurs de crack. Est-ce que, malheureusement, c'est inévitable, Joseph Touvenel? Tout à l'heure, on m'avait dit que je proposais des solutions simples. Vous avez vu, Porte de la Chapelle, c'est simple. Hein, ministre d'Intérieur. Présence permanente des policiers, contrôle, intervention. C'est simple et ça fonctionne. Ouais. Le tout, c'est est-ce qu'on a les moyens de le faire fonctionner aussi simplement dans la durée? Alors, je vous pose la question, est-ce qu'on a les moyens de maintenir un tel dispositif dans la durée? Quel est le rôle de l'État? Assurer la sécurité des citoyens. Est-ce que c'est 1,4 milliard pour faire 2 milliards dans la Seine? Ou c'est mettre des sommes considérables, parce qu'il faudra des sommes considérables, des moyens considérables, pour assurer la sécurité des citoyens. Ce sont des choix politiques. C'est-à-dire que si on met cet argent quelque part, on ne va pas le mettre ailleurs. Mais il faut être responsable vis-à-vis des citoyens. Il faut leur dire. Et il faut pouvoir le dire. Il faut pouvoir dire, il y a tel endroit, on va faire des économies, parce qu'on a besoin de faire des économies, et parce qu'on a besoin de mettre de l'argent pour la sécurité, pour des méthodes simples. Présence permanente, contrôle, intervention, et... J'ai noté que pendant les Jeux Olympiques, le suivi de la justice était beaucoup plus rapide que le suivi habituel. Le problème, c'est que Arnaud Clarcel, les Portes de la Chapelle, il y en a dans toutes les villes de France. Sous l'Ancien Régime, on prenait les gens un peu déséquilibrés, on les enfermait à la Cour des Miracles, et on fermait... heureusement, il y a des avancées sociales, donc c'est plus possible aujourd'hui, mais ce problème... Il y a des problèmes qui existent toujours. Mais même à Paris, vous avez d'autres quartiers. Il y a des problèmes qui existent toujours. La drogue est aussi consubstantielle, on en discutait tout à l'heure, du capitalisme, du mondialisme, des produits qui arrivent, et on a une société qui est une société démocratique. On n'est pas aux Philippines où on peut tuer les trafiquants de drogue. Il faut donc s'adapter comme au jeu de loi, trouver des règles nouvelles. Les États-Unis arrivent bien à s'adapter, mais même les États-Unis qui ont une police qui est très sévère, qui est forte, qui est bien équipée. Il y a combien, 200 000 morts par an d'overdose de fentanyl. Oui, 200 000 morts, vous vous rendez compte ce que c'est comme... Donc, c'est pas le ministre de l'Intérieur français qui est coupable spécialement. C'est un phénomène quand même qui est mondial dans les pays occidentaux. Et il faut trouver des moyens, mais malheureusement, il faut mettre plus de policiers, c'est vrai, mais...
si tous les pays occidentaux ont le même problème, c'est que ça ne se règle pas si facilement. Ça, j'en suis persuadé. Eh bien, d'ailleurs, Laurent Louniez, le préfet de police de Paris, veut aller dans ce sens, puisque dans les colonnes du Parisien, il a déclaré récemment qu'il y aura un avant et un après JO. Un autre challenge sera de maintenir une présence forte et visible sur la voie publique qui a été très appréciée par nos concitoyens. Ça rejoint finalement ce que vous dites, Arnaud Klarsfeld et Joseph Touvenel. C'est la présence policière. Juste un mot. Et les pays occidentaux n'ont pas tous le même problème dans la même proportion. Que le problème de la drogue existe, c'est pas qu'un phénomène capitaliste. Si je prends la consommation de vodka en régime communiste, c'était pas beaucoup mieux. Hein. Bon, ouais, c'est les choses ont évolué. La Russie est un régime capitaliste. Mais avant, on vendait l'opium aux Chinois. On les a. Mais messieurs, si je peux me permettre, on s'éloigne un peu du sujet. Revenons quand même à la porte de la chapelle. Mais on s'éloigne pas du sujet. Avant, on intoxiquait les Chinois, on leur imposait d'acheter de l'opium. Et il y a des centaines de milliers de Chinois qui sont morts de la drogue qu'on leur a vendue et qu'on leur a donnée. Maintenant, c'est les Chinois qui inondent le monde occidental de fentanyl qu'ils fabriquent et qui arrivent aux États-Unis. C'est donc on ne s'éloigne pas du sujet. Non, mais il faudrait regarder dans les pays occidentaux, justement, prendre des modèles un peu similaires. Ceux pour lesquels il y a une explosion Joseph et Tounel. Ceux qui arrivent à avoir quelque chose de modéré. Moi, je suis frappé de la modération de la consommation de drogue dans un certain nombre de pays de l'Est de l'Europe, comme la Pologne ou la Hongrie. Sabrina Medjeber. Alors, plusieurs choses à dire. Sur l'histoire du fentanyl et des opioïdes aux États-Unis, ça s'explique parce que ça n'est pas un État-providence et qu'il n'y a pas de sécurité sociale qui rembourse les médicaments morphiniques et opioïdes qui soulagent les extrêmes douleurs. On se souvient, par exemple, dans les années, fin des années 90, de la Purdue Pharma qui avait lancé cette grande campagne provoquant des centaines de milliers d'overdoses liées à l'oxycotine. Donc, c'est encore un autre sujet. Et effectivement, le fentanyl qui arrive en Europe est un danger parce que si on devient notamment précaire dans nos États-providence et que nous n'avons plus une sécurité sociale qui puisse garantir un minimum de soins, il est évident que le fentanyl va exploser au sein du marché noir pour pouvoir soulager les douleurs des patients les plus vulnérables. Ça, c'est pour l'histoire du fentanyl. Pour ce qui est de Paris, ce qui est assez intéressant, c'est que en réalité, alors, le crack, c'est quoi? C'est de la cocaïne mélangée avec de l'ammoniac. Tous les criminologues le disent, c'est la communauté des Moudous, des Sénégalais, qui la revendent sur notamment dans le jardin d'Éole et un peu plus loin au sein de Port de la Chapelle et même jusque dans le 19e où il y a même une association qui s'est créée qui s'appelle Saline Crack, voyez-vous. Donc ça fait des années qu'ils alertent les pouvoirs publics, ça fait des années que Madame Hidalgo sait ce problème et ils se renvoient la patate chaude entre le préfet de police, la mairie et Madame Pécresse, la présidente de la région. Donc c'est un problème qui a réussi finalement à se résoudre pendant les JO, voyez-vous. On a été capable d'endiguer cette immigration irrégulière, le trafic qui l'accompagne le temps des Jeux Olympiques, mais malheureusement ce problème revient comme précédent les Jeux Olympiques. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est, encore une fois, opérer ce que l'on est censé opérer concernant l'immigration irrégulière, c'est-à-dire appliquer les obligations de quitter le territoire français, tout simplement. Alors la drogue, on ne pourra pas arriver à l'endiguer d'un point de vue administratif. En revanche, sur les personnes qui vendent cette abomination, parce qu'il suffit d'une seule prise pour que vous soyez vraiment accro, mais dès la première prise. Voilà, le problème, il est en réalité au niveau, selon le caractère administratif des personnes qui vendent cette drogue. Après, je constate que Madame Hidalgo a quand même un certain mépris pour les Parisiens, c'est-à-dire que lorsque elle veut que les JO se passent bien, elle s'efforce avec l'État de faire en sorte que ces personnes disparaissent. Et lorsque les JO se terminent, eh bien finalement, elle n'est pas si sévère et si stricte et si prompte à ce que ce soit une trêve enchantée pour les Parisiens. Oui, on a constaté pendant les Jeux Olympiques, et j'évoque ce que disait tout à l'heure Joseph Touvenel, il y a une question aussi de volonté politique. On a constaté que quand Valérie Pécresse, quand Anne Hidalgo, quand Emmanuel Macron décident de travailler main dans la main ensemble pour combattre effectivement ce problème que sont les fumeurs de crack Porte de la Chapelle, ça fonctionne. Et on rappelle aussi qu'il y a eu une rénovation urbaine Porte de la Chapelle qui, bien sûr, permet aussi d'évacuer ces fumeurs de crack. Ils sont, à l'heure actuelle, si vous avez l'occasion de vous balader Porte de la Chapelle, il n'y en a quasiment plus aujourd'hui. Donc, preuve en est que ça fonctionne. Quand il y a un peu de volonté politique et qu'on décide de travailler main dans la main, ça fonctionne. Tout est une question de volonté politique, vous l'avez tout à fait résumé. Jacques Morel.
Oui, alors, si vous voulez, il y a eu un phénomène de saturation de la voie publique par des policiers. Il faut être conscient que les policiers et les gendarmes qui sont venus saturer la voie publique sont venus de province. Et que, ils sont épuisés. Hein. Avec les effectifs, si vous voulez, parisiens, les contraintes du maintien de l'ordre, maintenant le rattrapage qu'il va y avoir pour donner à tous ces fonctionnaires les vacances, les repos qu'ils ont accumulés ou qu'ils vont continuer à accumuler pendant les Jeux paralympiques, il n'y aura plus la même présence sur la voie publique. Et c'est simplement cette présence qui dissuade et qui fait plaisir à l'ensemble de la population en disant « bah tiens, voilà le Paris idéal ». Moi, les policiers dans le métro ou sur la voie publique, ça ne me gêne pas. Ça gêne qu'en fait, que les gens qui ont quelque chose à se reprocher. Donc, ils ont densifié quand même le nombre de caméras de surveillance. Donc, ça peut apporter un peu des palliatifs. Mais il n'y a que la saturation du terrain dans des quartiers comme ça et dans certains départements de la petite couronne pour essayer de maintenir un calme plus moins précaire que ce qu'il était avant les JO. Vous évoquiez Anne Hidalgo tout à l'heure, Sabrina Medjeber. Je vous propose d'écouter la maire de Paris qui évoque ce qu'il se passe désormais dans le quartier de Porte de la Chapelle. On écoute la maire de Paris. Mais l'héritage le plus fort, sans aucun doute, sera la transformation de nos quartiers, l'amélioration de la qualité de vie de nos habitants. Nous nous sommes engagés pour changer la Porte de la Chapelle. Qui aurait cru que la Porte de la Chapelle allait être ce quartier, avec ses allées plantées d'arbres, magnifiques, dans lesquelles il fait bon s'asseoir, se reposer, avec cette aréna qui aura accueilli les athlètes, avec une population qui nous dit, nous étions non pas sceptiques, mais le travail était tellement immense que pour y arriver, il fallait vraiment beaucoup de détermination. Ça, c'est un héritage qui restera. Et voilà, des propos d'Anne Hidalgo tenus le 9 août dernier. Anne Hidalgo qui nous dit que finalement, aujourd'hui, la Porte de la Chapelle est un quartier où il fait bon vivre. Non, elle dit... Mais on ne peut pas lui donner tort aujourd'hui, la situation s'est améliorée. Elle a un narratif passéiste, hein, si vous écoutez son phrasé. Elle ne parle pas du tout au présent, ni au regard de l'avenir. Elle parle de nous étions, nous avons fait, elle parle d'héritage. En réalité... Emmanuel Macron aussi a évoqué la question d'héritage social. Oui, alors, ça, je pense que c'est encore différent d'un point de vue social, justement. Mais évidemment qu'après les JO, comme disait monsieur, il y a eu 45 000 forces de l'ordre qui ont été mobilisées de toute la France et de toute la France. Je vais y arriver, décidément. Mais évidemment qu'une fois que les forces de l'ordre ne seront plus présentes, eh bien, malheureusement, les craqueurs reviendront, les dealers reviendront et les habitants en souffriront. Donc, elle a beau parler de bancs, de plans, d'héritage, de bonheur, de trêve enchanteresse, eh bien non, hein, les habitants continueront à en souffrir et parfois à se faire justice eux-mêmes. Hein. On se souvient qu'il y a quelques mois, à Stalingrad, les habitants ont jeté carrément des mortiers sur les craqueurs tellement ça devenait invivable. Mais Madame Hidalgo, elle vit dans son rêve. Et elle continue de vivre dans son rêve. En tout cas, on peut au moins effectivement affirmer que la rénovation urbaine du côté de la Porte de la Chapelle est plutôt réussie.